et bienvenue à un nouvel épisode de podcast de Lana et Tricot. Lana et Tricot, c'est ma boutique à Grenoble et aussi en ligne sur lanae-tricot.com. Et je suis Yana. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. J'espère que l'épisode va vous plaire et que vous continuez à nous suivre ici sur YouTube et sur les autres réseaux. Vous pouvez notamment me trouver sur Instagram comme la plupart des personnes un peu dans la communauté tricot, sous Lana et Tricot tout simplement. Également sur Ravelry, Lana et Boutique et mon Ravelry personnel où j'ai plus ou moins tous mes projets en ordre, c'est Annabelle Douce. Donc voilà, aujourd'hui on est samedi 27 octobre, ce qui veut dire dans ma famille que c'est l'anniversaire de ma petite sœur. et voilà, nouvel épisode, pour ceux qui ne le savent pas, la boutique est bien ouverte le samedi, donc c'est pour ça que je suis là. Et voilà, comme d'habitude, programme assez complet. Et voilà, aujourd'hui premier jour de pluie d'automne ici à Grenoble. Je crois qu'on n'a pas vu la pluie depuis quelques mois. Je sais pas si on a eu de la pluie ou pendant l'été, enfin à part quelques orages, mais sinon on n'avait pas vraiment vu la grosse pluie depuis le mois de juin, donc je pense que ça va faire du bien. Ça rafraîchit aussi un peu l'automne et puis ça donne vraiment une ambiance d'automne après quelques semaines de grosses chaleurs d'été, enfin qu'on a eu jusqu'à quasiment la semaine dernière, enfin vraiment début de semaine dernière, on avait encore du 20 et quelques degrés et ça a descendu progressivement, mais je crois qu'on est bien content de retrouver des températures normales. Et voilà, je vous parle du temps parce que bien sûr c'est un podcast de météo et pas un podcast de tricot. Voilà, mais bon, mine de rien pour les boutiques de laine c'est important hein, la météo. S'il fait pas froid, les gens ont pas envie de tricoter. Et bon, à part nous les tricoteuses, les vrais passionnés j'ai envie de dire, ou les passionnés qui tricotent toute l'année, mais il y a des gens qui ne tricotent que en hiver. Et bien sûr pour les petites boutiques c'est important, donc peut-être que c'est pour ça que ça reste quand même intéressant pour moi de calculer plus ou moins les mois froids, les mois chauds et voilà. Allez, on commence direct hein, avec le contenu. Aujourd'hui, on continue. J'ai quelques projets finis. J'ai quelques projets finis pour la boutique par des tricoteuses. Des petites nouveautés, des petits projets secrets qui vont se dévoiler. Et voilà, on y va. Avant tout et comme d'hab, je porte quelque chose que je pense que vous n'avez pas vu sur le podcast. C'est mon Niniltic Swancho. Je sais pas si vous voyez grand chose. C'est mon Niniltic Swancho de Caitlin Hunter. C'est un patron qui est sorti il y a maintenant quelques années. Pas l'hiver dernier, mais l'hiver d'avant peut-être. C'est un patron qui à l'origine est tricoté dans de la déca, mais que moi j'ai fait en worsted, tout simplement parce que je voulais utiliser la laine que j'ai utilisée, qui est la Yak Tweed de Lang. C'est une laine que je n'ai plus cette année en boutique, mais que je peux commander toujours quand je veux, parce que je passe commande chez eux toutes les semaines. C'est une qualité Merino Extra Fine et Yak. Il me semble bien qu'elle n'est pas super wash. Je sais que la Yak est super wash. La Yak tout court, c'est celle-ci. Il me semble qu'elle est super wash. Alors, non, c'est pas indiqué. Mais bon, ils indiquent que c'est du lavage en machine. Donc là, c'est la Yak Tweed. Donc, comme son nom l'indique, c'est du Yak Merinos mais tweedé. Et ce qui je pense peut s'apprécier peut-être sur la vidéo. J'avais utilisé donc du beige qui est chiné avec du orange et du gris, du bleu un peu, c'est un bleu turquoise assez foncé, un bordeaux et un rose. Donc j'avais gardé la même gamme de couleurs que Caitlin Hunter avait utilisé pour son Niniltic parce que c'est ce qui m'avait plu. Je m'imaginais pas tout, enfin c'est exactement dans ma gamme de couleurs hein, le rose et le bleu. Voilà. J'aurais pu mettre une base grise, gris clair au lieu d'un beige, parce que ce beige est chiné avec de l'orange et moi je suis pas une passionnée de l'orange,
Mais bon, je trouve que le résultat général est très joli. C'est un projet qui est assez sympa à faire jusque-là. Et après, c'est pénible. Parce qu'on a des rangs. En fait, on tricote. C'est un top-down, donc on commence. Donc on commence petit à petit avec des augmentations, le jacquard, c'est hyper motivant et tout. Par contre, qu'on arrive presque à la séparation des manches, on commence à avoir des rangs qui font. Je crois qu'on met. Je sais pas, plus de 30 minutes à faire un rang, pourtant c'est que du jersey en rond, et là quand on arrive à la fin, on a juste envie de le balancer par la fenêtre parce que c'est méga long. Comme vous pouvez le voir, il a une aisance, enfin c'est un poncho en fait, donc il est assez ample, et la fin a été longue. Je l'ai commencé vers novembre, décembre l'année dernière, donc presque il y a un an, et je l'ai fini début janvier. De janvier 2018, donc voilà, je l'ai beaucoup porté, et je le porte surtout quand il fait froid, mais pas trop froid pour mettre un manteau, parce que évidemment ça ne rentre pas dans mes manteaux. Quoique j'ai récupéré un manteau de quand j'étais un peu plus jeune, que m'avait offert ma sœur, qui est un poncho aussi avec des petites manches, donc je pense qu'en hiver je vais pouvoir le porter avec ça. C'est une sorte de cape en fait, avec pareil, des petites manches, et voilà. Il était chez mes parents, et en faisant ça et en rendant compte que, ah bah tiens, c'est pas pratique à mettre dans des manteaux, j'ai récupéré mon petit truc, et en plus c'est très sympa, il fait un peu écossais. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est vrai que c'est assez. Comment dire? C'est chamarré, enfin c'est vif comme couleur. Non, c'est pas ça en fait, c'est que c'est chargé comme projet, c'est un projet qui attire le regard, et parfois c'est pas facile à porter quand on a envie de passer inaperçu. Mais il est très chaud, il est du coup en worsted. J'avais pas du tout calculé l'échantillon, je sais pas du tout si j'étais bon ou pas, mais bon, pour quelque chose comme ça, je m'étais dit que c'était pas peut-être la peine de le faire. Et voilà, j'ai beaucoup de compliments à chaque fois que je le porte, parce que je pense que c'est une belle pièce. Cette laine-là est d'une très belle qualité. C'est vrai que c'est une laine qui est quand même qui a un certain prix, c'est un budget. J'aime beaucoup le yak, c'est une qualité très très douce. Elle ne s'est pas du tout abîmée avec l'usage. Enfin, on voit vraiment que pour le prix qu'on paye, ben, on a de la qualité. C'est de la très belle matière à tricoter avec des aiguilles métalliques. Parce que c'est une laine qui. C'est pas qu'elle accroche, parce qu'elle accroche pas dans le sens d'une laine rustique par exemple, mais elle est un peu. Je sais pas, c'est. Elle accroche sans être rustique sur les aiguilles en bois. Moi j'avais commencé avec les aiguilles en bois et je pouvais pas, et du coup je suis passée au métal, et là ça a marché. Et voilà, c'est la seule caractéristique un peu comme ça que je peux dire de la laine, mais sinon autrement. C'est hyper doux, ça crée enfin une belle définition de points malgré le tweed. Enfin voilà, en plus derrière, comme elle s'accroche un peu, le jacquard il tient en place. Bon, là je vous montre l'envers. Voilà, donc non, non, c'est vraiment une très belle pièce. Et j'aime beaucoup parce que j'ai passé beaucoup d'heures dedans, enfin dessus, et dedans aussi. Et voilà, bon. Je vous l'avais pas montré, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler un petit peu plus et un petit peu plus longuement. Donc voilà, passons au projet fini, j'en ai deux. Trois. Les projets finis, je vous ai dit, j'en ai trois. Je vais vous passer assez rapidement, vous les connaissez. Notamment. Ma paire de chaussettes qui maintenant est totalement finie. J'ai pris ce week-end, enfin le week-end dernier, je me suis dit, je l'ai fini, j'en peux plus. Il faut que ce soit fini, il faut que je les aie sur mes pieds. D'ailleurs, aujourd'hui, je les ai pas mises parce qu'il fallait que je vous les montre. Mais voilà, elles sont finies. Je les aime beaucoup. Elles me vont très bien. C'est, comme je vous avais dit, mon premier talon avec un heel flap and gusset. Je me suis basée sur le patron des. Je ne vais pas me rappeler du nom. C'est un patron gratuit d'Espace Tricot où ils ont des chaussettes auto-rayantes. Si vous allez sur leur site Ravelry, leur page Ravelry, vous les trouvez assez facilement. Pardon, je suis un peu enrhumée encore. Et voilà, ça ne se fait pas sur podcast, mais bon. Où est-ce qu'il est passé?
Hop. Donc j'avais fait des côtes, j'avais commenté du haut vers le bas, des côtes tout le long, mon talon, et après j'avais continué les côtes sur le dessus du pied et pas sur le... Voilà, et ma pointe habituelle avec un Kitchener qui est un peu mal fini sur celle-ci. Et pour vous rappeler, c'est la laine qui est là-bas, je vais pas me lever. La coton stretch de Lang, donc c'est de la laine nylon coton. Et je pense que je vais beaucoup aimer les porter. Je les ai lavés bien sûr parce que ça traîne depuis l'été, je crois. Je sais plus exactement quand est-ce que je les ai castonnés, mais ça traîne depuis un moment dans mon sac à projet et dans, je pense même en Espagne, enfin je sais plus. Bref, elles ont fait un long chemin, donc là elles sont finies, elles sont pas du tout identiques, mais ça me gêne pas du tout. Et je vais les porter demain ou après-demain, ça ne peut pas tarder. Cette fois-ci j'ai fait des côtes beaucoup plus, enfin la chaussette beaucoup plus longue que ce que j'ai l'habitude. Normalement je fais des chaussettes, non, comme ça. J'aime pas les chaussettes très très longues, et là cette fois-ci je sais pas pourquoi je me suis lancée dans un peu plus long. Et il me reste 30 grammes du coup cette fois-ci de laine, donc je sais pas du tout ce que je vais faire avec, parce que je prendrai pas une autre pelote pour faire une paire à quelqu'un, je sais pas, ou je fais des rayures, mais des rayures avec des dégradés, je sais pas ce que ça peut donner, on verra bien. Donc voilà, ça je suis très contente de l'avoir fini, parce que voilà, ça traînait. Le deuxième projet fini que j'ai fait ne ressemble absolument à rien, vous allez vous demander ce que c'est. C'est un projet très rapide que j'ai fait en quelques jours, il y a maintenant 2 semaines peut-être. Et en fait c'est un patron gratuit qui avait déjà fait mon amie Laura et qui m'avait donné très envie de le faire pour mon copain qui est tout le temps à vélo. En fait ça va dans le casque, ça ressemble à rien, mais bon voilà. En fait on le porte comme ça, mais dans le casque. Dans le casque du vélo. Donc en fait, ça va dans l'intérieur du casque. Et dans ces pochettes-là, on passe les tiges en fait qui sont là pour attacher le casque. Je sais pas si ça porte un nom spécifique en français. Donc là, bah évidemment, on a la tête. Et là, les deux pochettes qui en plus sont doublées pour le fait de devoir passer la petite tige pour l'attacher, font une double épaisseur pour les oreilles. Et en fait mon copain il est tout le temps à vélo, il va au travail à vélo et il se lève très très tôt et il commence à 7h du matin. Donc je lui ai fait ça très rapidement. Je voulais lui faire d'ailleurs dans un reste de Yak Tweed et quand il a vu la laine il me dit « Oh c'est trop épais, machin ». Mais en fait j'ai fait sur de la déca, c'est la sable de l'ancienne filature du Val Godemar. Maintenant disparu malheureusement, et du coup il voulait une laine douce qui ne pique pas, et là c'est de l'angora et de la laine, je crois, je sais plus exactement la composition. Et voilà, je lui ai fait ça dans un reste de pelote que j'avais d'un autre projet, et voilà, il s'est pas plaint, donc ça veut dire que ça tient chaud et que ça fait son job, donc je pense qu'il est assez content. Et comme aujourd'hui il a pas pris son vélo parce qu'il pleut, et il devait pleuvoir peut-être un peu plus ce matin, il a dû se dire je prends la voiture, et moi je me suis retrouvée avec ça pour pouvoir vous les montrer, parce qu'évidemment j'allais pas le priver de pouvoir les porter un autre jour pour rien que pour vous les montrer, le pauvre. Donc voilà, ça ressemble vraiment une forme bizarre, mais je sais plus du tout le nom du patron, c'est un patron en anglais. Et gratuit, et je vous le mettrai sur les notes du podcast pour que vous puissiez les voir. Comme d'hab, si j'ai pas le temps de publier les notes de podcast à la sortie du podcast et que vous savez, vous voulez avoir la réponse tout de suite, vous me laissez un commentaire sous la vidéo et je vous réponds au plus vite. Donc ça, c'est ça. Et mon troisième projet fini, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux si vous suivez sur Insta. C'est mon bonnet en jacquard que j'avais fait avec les laines que Julie m'avait offert de teinture sauvage. Teinture sauvage qu'on avait rencontrée à une Knit It à Lyon. Et Julie m'avait offert 4 petits écheveaux avec différentes teintures naturelles. Donc voilà, donc on a les 4 coloris. Finalement j'ai changé, j'avais fait du rose ici au lieu du jaune, mais ce qui s'était passé, et ça il me semble que je vous l'avais raconté, c'est que je n'avais pas assez de laine rose pour faire cette partie là
Voilà, en plus c'était un peu terne sur ce côté-là, un peu rose vert rose. Je trouvais que c'était. Enfin, tout le monde était d'accord pour dire que c'était un peu trop terne. Finalement, j'ai voulu détricoter les côtes, mais j'avais fait un German Caston, donc c'était la galère pour détricoter, voire même impossible. Donc j'ai fait comme pour un talon après coup, j'ai relevé mes mailles juste au bord ici. J'ai détricoté, enfin j'ai du coup coupé, défait, enfin enlevé toutes les côtes. Détricoter les côtes pour tricoter le haut, fini le haut. Et j'ai repris mes mailles qui étaient en attente sur l'aiguille avec laquelle j'avais relevé des mailles pour finir les côtes. Et du coup j'avais un reste de jaune et je me suis dit le jaune va aller nickel. Je suis en train de me demander si je voulais pas déjà montrer sur le podcast précédent fini. J'ai l'impression de me répéter, mais en fait je l'ai montré aussi sur le podcast en espagnol, donc c'est peut-être ça. J'ai mis un de mes pompons, un des pompons que j'ai en boutique. Je trouve qu'il va super bien avec cette couleur-là, et du coup ça. Je sais pas, ça donne un aspect super sympa. Ces pompons-là, on les attache uniquement avec le nœud. Si vous voulez rassurer un peu, enfin être rassuré, vous pouvez toujours avec un fil à couture donner un petit point pour que ça tienne, mais bon, moi. De temps en temps, je regarde, je serre dedans au cas où, et puis voilà. Et voilà, il est assez sympa. Les diminutions sont sympas aussi sur le haut. Il est un peu grand, mais c'est pas si mal parce que j'ai pas trop de bonnets grands. Généralement, je porte des bonnets qui sont vraiment près de la tête. Et là, ça fait un bonnet un peu. Un slouchy. Voilà, jacquard. Je ne porterai pas ensemble forcément, mais voilà, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Voilà, je l'aime bien, je l'ai déjà porté. Les gens me regardaient un peu en mode pourquoi elle porte un bonnet alors qu'il fait pas un froid. Bon. Mais bon, je l'ai fini, j'avais envie de le porter, et je l'ai porté quelques fois. Et voilà, super, ça me fait un petit projet rapide. Vous voyez, j'ai trois projets finis rapides. Parce qu'ils sont petits, alors que j'ai un gros projet en même temps. Je pense que cette formule-là me convient très bien en ce moment. Je suis incapable de me voir castonner des milliers et des cents de projets. Je crois que ça me stresserait beaucoup. Alors j'ai envie d'en castonner, mais je sais que ça va me causer tellement de. Ça va me provoquer tellement d'angoisse et tellement de stress qu'en fait je préfère. Je préfère me préserver et ne pas castonner alors que j'ai plein de projets que je veux faire, mais ça me va très bien comme ça. Je suis plus heureuse dans ma vie de tricot de cette façon-là. Et mine de rien, ça me fait progresser. Ben maintenant, j'ai trois projets finis et je peux passer à autre chose. Et je peux passer à autre chose plus tranquillement et sans être stressée. Pardon pour le petit coup d'eau, mais mon rhume fait que. Hein, c'est en train de finir, mais la gorge et tout, c'est un peu parfois sec. Donc, on va passer au projet en cours. J'en ai deux, un que vous connaissez déjà et un qui est nouveau. On va commencer par le gros qui a bien progressé, même si je ne l'ai pas tricoté pendant 2-3 jours parce que je l'ai un peu puni. Voilà. Puni. C'est mon gilet Lanes de Rory Locatelli que vous connaissez déjà, tricoté dans la laine que Maison Corlaine m'a donnée pour que je puisse tester leur qualité non superwash. En concret, celle-ci c'est la Merino Falkland ou des îles Malouines. Et pour le moment, je suis assez contente. Il y a un truc qui ne. C'est pas que ça m'embête, mais il y a un truc. Mais je pense que le truc c'est que je ne suis pas habituée à tricoter du mérinos peigné. Donc comme je ne suis pas habituée à tricoter du mérinos superwash peigné classique dont vous avez l'habitude, je pense que même si je passe à du superwash, ça me fait un peu bizarre parce que là dernièrement j'ai tricoté que des laines aérées, cardées, enfin ce genre de truc, et du coup c'est ça qui je pense je trouve un peu bizarre parce que le mérinos c'est toujours une fibre dense un peu plus lourde que d'autres, et je pense que c'est ça qui me fait bizarre, mais en fait le projet il me plaît beaucoup, la laine me plaît beaucoup, la couleur me plaît encore plus,
Enfin, il n'y a pas de raison en fait pour ça, mais ça me fait bizarre de changer un peu de sortir de ma zone de confort au niveau de la matière. Et c'est peut-être ça. Donc là, j'ai fini. Voilà, ça ressemble absolument à rien. J'ai fini le corps finalement. Enfin, j'ai fini mes deux manches. Je crois que là, j'avais pas fini les deux au dernier podcast. J'ai fini mon corps dans le sens où j'ai, pareil que pour mon bonnet, j'ai relevé mes mailles, coupé, séparé les bouts, détricoté au moins 6 cm. Ouais, une bonne partie, j'ai détricoté du corps. Et finalement, je comptais faire un kitchener, mais je l'ai pas fait. À vrai dire, j'ai tenté l'affaire du kitchener. Finalement, ça m'a. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé de moment pour me poser 2 heures et tranquille sur la table de la cuisine et faire le kitchener. J'aurais voulu, mais j'ai pas trouvé le temps et mais je voulais que le projet avance. Donc j'ai préféré avancer mon projet en ne pas faisant le kitchener et juste reprendre mes mailles et tricoter les côtes vers le bas comme j'avais fait pour mon bonnet, que de devoir me poser à 10 h du soir pour que je puisse vous le montrer sur le podcast un peu avec le corps fini et parce que j'avais vraiment envie de le avancer. Non, ça fait, je sais plus quand est-ce que je l'ai monté, mais j'ai envie de le finir, j'ai envie de passer à autre chose. Cette semaine, j'avais pas le temps. J'ai fini 2 jours à 8 h du soir. Enfin, je travaille trop. Et du coup, c'était pas possible. Et j'ai tricoté mes côtes. Mentalement, enfin, ça m'a certainement pris un peu plus de temps. Mais mentalement, c'était beaucoup plus relaxant de devoir tricoter des côtes et hop. Donc, j'ai fini les côtes. Et hier, j'ai. Non, avant-hier, j'ai relevé mes mailles et hier, j'ai commencé à faire les l'encolure, le col. Donc là, c'est un col à rang raccourci, comme ça. Hop, hop, hop. Là, j'ai fini les rangs raccourcis et je suis au rang. Juste, enfin, le prochain rang, il faut que je commence à faire les boutonnières. Donc, je ferai mes boutonnières, je finirai mes côtes au blocage, enfin, au blocage, au lavage pour qu'ils soient bien doux, bien propres et tout ça. Bloqué en fait, pas besoin parce que je vais pas les tirer pour qu'il ait une forme particulière où il n'y a pas de dentelle enfin à faire ressortir et autres. Et je veux juste enfin que la laine soit régulière et etc. Finalement, les manches, je les trouve bien, même si en chouïa longue, mais elles sont bien. Et le corps, maintenant, il me plaît beaucoup plus. Il ressemble beaucoup plus à ce que je voulais du cardigan et ça ressemble plus à ce qu'il y avait. Sur la photo, il m'arrive, sur les hanches, quoi. Enfin, au niveau des hanches et pas au niveau des fesses. Comme avant, voilà, c'est un gilet bleu. Ouais, voilà. Donc là aussi, comme j'avais repris avec de la laine qui avait déjà été tricotée, il est un peu froissé, donc ça bloquait, ça va partir. Et j'ai vraiment hâte de vous le montrer fini. J'espère que sur le prochain podcast, il devrait être sec. Même si c'est de la déca, alors c'est vrai que c'est de la déca quand même assez épaisse, enfin assez épaisse, c'est de la déca classique, mais c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de tricoter de la déca, je suis plus fingering worsted, voilà, mais il me plaît beaucoup, et j'y vais être fini du coup pour le festival de Barcelone, et du coup je vais pouvoir le porter là-bas, donc c'est un peu mon projet aussi du festival, et c'est marrant parce que je l'ai tricoté pendant que je filais de la stélina. Et j'ai tricoté de la stélina dans le gilet. De la fibre de stélina dans le gilet. J'en ai un peu partout. Bref. Donc voilà. Je peux pas vous dire plus. Je le tricote en aiguille 4. Bon, la 3,5 pour les côtes. Chiagou. Interchangeable. Que je commence à avoir petit à petit à la boutique. Parce que c'est une marque qui me plaît beaucoup. D'ailleurs là, je me suis gardé un. On le voit pas, mais un kit des chiagous, des shorties, donc des toutes petites aiguilles. Je l'ai apporté aussi parce que je vais le prêter à Laura. Voilà. Je vous en parlerai quand je l'aurai utilisé. Je vais pas faire un speech dessus alors que je l'ai même pas. À vrai dire, j'ai même pas testé les aiguilles. C'est des toutes petites aiguilles en fait pour tricoter les manches, les chaussettes et tout ça. Donc. Quand je l'aurai testé et j'aurai des retours dessus, je vous en parlerai un peu plus. Donc voilà,
Il me reste encore un échelon entier. Mais je pense que je vais pas devoir le commencer en fait avec 4 échevaux, c'était suffisant. Ça, c'est les côtes que j'avais détricotées. Donc vous voyez, c'est ce que j'avais séparé du corps et que j'ai pas eu le courage de rassembler. Donc voilà. Si jamais il vous faut des côtes en bleu, j'en ai. Voilà, je pense que je les détricoterai. Puis voilà. Et il me reste encore un écheveau. Donc il y a un écheveau qui va servir à un bonnet ou quelque chose comme ça. Un beau bonnet à torsade avec cette laine, ça peut être super sympa. En plus, ça irait bien avec mon bonnet. Avec mon pompon. Voilà, voilà, voilà. Bientôt fini, j'ai trop hâte. Pour deuxième projet, j'ai monté un projet. Alors, comme j'ai fini mes chaussettes, je me suis dit, il me faut un projet zéro cerveau que je puisse apporter Knit Night et compagnie, tricot ami et resto et sortie autre que la boutique et la maison. Parce que le gilet, même si facile, il n'est pas du tout transportable. Il commence à être beaucoup trop grand et du coup, je me suis dit, j'en ai un peu marre de chaussettes. Enfin, je sais pas que j'ai marre des chaussettes, mais j'avais envie de changer un peu. Et parce que surtout, c'est la dernière paire à traîner pendant très longtemps et ou à durer trop longtemps. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai envie de mitaines parce que j'ai toujours froid aux mains. À la boutique, je passe beaucoup de temps sur mon ordi. Pardon. Je passe beaucoup de temps sur mon ordi et j'ai froid aux mains. Et si j'ai froid aux mains, j'ai froid aux bras. Et si j'ai froid aux bras, j'ai froid aux épaules. Et si j'ai froid aux épaules, j'ai trop froid. En fait, moi, quand j'ai froid sur cette partie-là du corps, ça veut dire que je me sens pas du tout bien. Et ça me met tout de suite en... Enfin, je suis pas bien, je suis pas au chaud. Et pas être au chaud dans ton espace de travail où tu passes un certain nombre d'heures, enfin plus qu'à la maison... C'est pas top, donc je me suis dit, je vais pas travailler avec des moufles, c'est pas un temps de moufles non plus, même si j'en ai. Mais je vais me tricoter des mitaines. Je me suis dit, ah, des belles mitaines en jacquard et tout, mais je me suis dit, c'est pas zéro cerveau. J'ai pas envie de jacquard en petite circonférence, même si j'adore le jacquard, mais en petite circonférence, je trouve que c'est pénible et... Enfin, mais bon, là, je pense que mon kit à chaussettes, enfin, pas à chaussettes, mais ma mini-câble va m'aider beaucoup pour ça. Parce que du coup je vais pouvoir tricoter du jacquard, pas en magic loop mais en rond, en petite circonférence, parce que je trouve en magic loop je trouve ça insupportable et du coup voilà. Du coup voilà, j'ai décidé que j'allais tricoter des mitaines toutes simples et en fait j'avais un petit écheveau de laine que j'ai filé, donc celle-ci. C'est du Merino Goats que j'ai filé, je vais vous en parler un tout petit peu plus un peu plus tard parce que c'est une surprise et pour la boutique ça c'est une petite pelote que j'ai fait à la main, c'est un mini de... enfin un mini, il y a 20-30 grammes, j'ai pas pesé voilà et voilà, donc ça c'est quelque chose que j'avais fait moi au filage et je me suis dit ce serait cool de pouvoir tricoter un des fils que j'ai filé. Alors c'est pas un fil que j'ai filé, c'était pas du tout dans le but de la tricoter, c'était juste un test pour tester la fibre. Et en fait, le résultat avant ne me plaisait pas du tout, la fibre en soi, quand je l'ai filé, ça me plaisait. Et je me suis dit pourquoi je ne mettrais pas dans ma paire de mitaines que j'ai envie de me tricoter. Et j'ai ouvert mon tiroir, j'ai trouvé, dans les couleurs qu'il y avait, parce que là vous voyez plus du marron, mais en fait il y a aussi du violet, du gris clair, et ça a fait une transition vers du marron orange, dans ce que vous voyez là. Et je me dis que ça serait top de trouver une laine qui aille bien, et que je puisse les mettre ensemble. Donc j'ai trouvé dans mon stash de l'aroma Finulgarn que j'avais eu à mon échange... c'était pas un Faberger, c'était un swap avec une Norvégienne, donc ça c'est dans mon sac depuis un moment. J'ai utilisé aussi cette laine pour mon Winterfiel, pour la deux des couleurs du yoke, et voilà. Donc là je suis au tout début hein, de la mitaine, c'est un patron gratuit, je vous mettrai aussi le lien parce que c'est une japonaise mais je me souviens plus du nom. Si vous voulez trouver dans les mitaines gratuites, c'est un patron, il y a un chat roux, voilà.
Je pense que c'est ça qui a dû me faire tic. Mais en fait, je voulais quelque chose de très simple et les rayures, c'est très bien. Donc là, j'ai fait les côtes avec ma laine teinte à la main. Comme vous voyez, là, elle est plus violette et grise que marron et orange. Et du coup, j'ai commencé à faire des rayures avec la violette. Mais en fait, c'est une pelote qui va un peu changer de couleur au fur et à mesure. Donc là, ça va presque ton sur ton, mais après, ça va changer au fur et à mesure. Donc là, bah voilà, j'ai déjà commencé les augmentations pour le pouce, donc un peu il va comme ça. J'ai des tout petites mains, donc en fait j'ai tricoté ça en 2,25 et là je suis en 2,75. Et je me demande même si j'aurais pas dû faire en 2,5. Mais bon, comme je tricote serré, je me dis que ça va. Et franchement, bah, comme je vous disais, c'était pas du tout de la laine que j'avais filée pour être tricotée, donc elle est un peu irrégulière et j'avais juste filé comme ça pour le fun. Finalement, comme la finule garn est une laine aussi, parce que là, la fibre que j'ai filée, c'est un retors à deux brins. Et là, la finule garn, c'est un deux brins aussi. Donc finalement, ça va bien ensemble, même si là, c'est du peigné et là, c'est du cardé. Je pense que je vais beaucoup les aimer. Ça va être de la laine chaude, non superwash. Et j'ai très envie de les finir parce que franchement, les mains. Il me faut des chaussettes pour les mains. Donc c'est top. C'est top. Je suis vraiment très très contente et j'ai hâte de. Voilà, je suis à fond sur mon lanès parce que j'ai vraiment envie de le finir. Mais tout de suite, je me mettrai avec ça, pour pouvoir les finir. Parce que c'est vraiment un projet dont j'ai besoin aussi. C'est pas juste un projet coup de cœur machin ou autre. C'est vraiment un projet de nécessité. Donc voilà. Pas grand chose à vous dire d'autre. Je vais vous montrer trois projets finis par des tricoteuses de la boutique. Mais avant, je vais vous parler du coup de ça plus en détail parce que c'est une petite surprise, préparation. C'est un. Bon, voilà. En fait, ceci est du Merino Gots que j'ai acheté en fibre et que j'ai teint. Et je l'ai teint pour faire des essais de teinture. Et je l'ai filé pour tester la fibre, parce que c'était la première fois que j'avais cette fibre-là, parce que je vais introduire une petite collection de séries limitées fibres à filer. Vous êtes beaucoup à vous intéresser au filage, parce que je pense qu'on est plusieurs sur Instagram, sur la communauté, à avoir commencé ou à filer depuis un moment et tout ça. Et vous m'avez demandé si j'avais pas de la fibre à la boutique, etc. Donc moi, pour le moment, trouver des revendeurs et faire la recherche de revendeurs, ça me prend beaucoup de temps, surtout pour des choses où j'ai moins le contrôle, enfin, où je gère un peu moins. Parce que le filage, c'est quand même quelque chose de nouveau pour moi. Et que voilà. Et donc, je me suis dit, comme j'ai pas le temps de trouver des revendeurs et en ce moment, j'ai pas, enfin, je préfère garder la plupart du budget pour de la laine, pour la boutique. Je vais au moins acheter un peu de fibre et je vais m'amuser à la teindre. Si vraiment ça me plaît, je les mettrai en vente. Sinon, bah, je les garderai ou je les offrirai à des amis qui font du filage. Donc j'ai acheté trois qualités différentes. J'espère que ce projet de fibre teinte à la main par mois en série limitée vous tente bien. Enfin, moi c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais. Et ça m'amuse de travailler la matière d'une autre façon. C'est vraiment top, voir les couleurs se dessiner, devoir réfléchir à des couleurs, devoir apprendre enfin, tout un autre métier, parce que c'est la teinture, c'est pas. On peut penser que c'est facile, mais pour avoir des résultats jolis, c'est pas toujours évident. Quoique en fibre, c'est très différent à la laine. La laine, quand on la teint, on sait plus ou moins ce que ça va donner, si on a plus ou moins l'expérience des laines teintes à la main, au tricot. En fibre, en fait, non, les couleurs, selon comment on les file, elles vont évoluer différemment. Donc, c'est pour ça que, par exemple, mon essai de teinture que je pensais avoir un peu. Pas raté en fait, j'avais mis des mini dans un bain et dans le même bain, enfin la même décoction, j'avais mis différentes couleurs et en fait cette petite partie-là avait pris des couleurs qui pour moi n'allaient pas du tout ensemble. Donc il y avait du gris, enfin du noir gris, du rose très foncé, du marron et du orange très vibrant.
Et en fait, une fois, j'ai séparé du coup celle qui avait plus de violets, machin, j'ai dû donner une autre à une amie pour qu'elle la file et qu'elle teste aussi la qualité. Et du coup, j'ai gardé celle-ci en disant, bon, c'est la plus moche de tous, je vais la filer, mais juste pour tester quoi. Et en fait, j'ai adoré le résultat. Donc, comme quoi, c'est improbable. Et comme quoi, c'était bien que je le fasse parce que je me rends compte que finalement, le mélange de couleurs en teinture pour la fibre ne va pas du tout. Enfin, ou va pas forcément donner ce qu'on a sur la fibre. Et ça, c'est. Pour les fileuses débutantes comme moi, c'est moins évident à savoir. Mais je pense que les fileuses habituelles savent que quand elles achètent une fibre d'une couleur machin machin, bah, ça va plus ou moins donner autre chose. Et c'est top. Franchement, c'est top. Du coup, ben voilà, je me suis amusée à faire un peu de teinture. J'ai pas encore tout teint. Je suis très loin d'avoir teint tout ce que j'avais prévu, qui est pas une très grande quantité, parce que comme je vous dis, ça va pas du tout être mon métier principal. Hein. Je vais pas changer la boutique pour une boutique de fibres teintes à la main ou de matières teintes à la main. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, je veux pas en faire mon métier parce que j'en ai déjà un et le mien prend déjà assez de temps et c'est incompatible avec un atelier de teinture. D'ailleurs, je fais ça à la maison dans mon temps libre pour tout vous dire, à vrai dire. Mais bon, j'avais envie de le faire parce que en ce moment, comme je disais, retrouver des revendeurs, préparer tout ça, ce sera. C'est pas pour tout de suite. Et puis ça me faisait avoir des expériences différentes avec la fibre. Et bon, je vais vous montrer les trois que j'ai éteintes le week-end dernier. Excusez-moi pour le bruit de plastique, mais j'avais envie de les protéger de la pluie. Donc là, j'ai commencé à teindre le Merino Superwash Nylon, que j'avais déjà eu en expérience teinture pour la fibre que j'avais filée. Donc j'en ai, c'est des 100 grammes, et j'en ai teint 3. Donc voilà. Comment je vous les montre? Bon, allez, elle s'est ouverte. Donc là, j'ai teint un peu dans les tons d'automne. Il y a un peu de bordeaux, de l'orange, du vert, enfin, voilà. Donc elles sont assez chouettes. Enfin, moi j'aime bien, après, comme les goûts et les couleurs, c'est toujours compliqué. Enfin, compliqué, c'est toujours différent. Donc du coup, ce qui peut me plaire à moi, vous plaira pas forcément, ou inversement. J'ai fait un autre qui est plutôt dans les bleus, jaunes, noirs, voilà. Et j'ai fait un autre. Dans les violets, roses, il y a des touches de jaune, du bleu et du gris. Là, c'était du gris, c'était pas du noir. Donc là, pour ça, vous avez, si vous le filez assez fin, vous avez de quoi faire des chaussettes ou des mitaines ou quelque chose d'un peu plus résistant. Il y a, il me semble, entre, je vous, la composition, je vous la mettrai tout ça, mais il me semble, enfin, il faut que je fasse métier. Pardon, j'ai de la fibre. Il faut que je fasse les étiquettes, tout ça, tout ça. Ça va pas sortir tout de suite. J'ai envie de teindre tout ce que j'ai à teindre et après faire en mode update sur la boutique en ligne et ici à la boutique. Voilà, je prépare un peu le stock quoi pour les quelques mois à venir. Je sais que c'est pas quelque chose qui va partir 2 minutes parce qu'on n'est pas si nombreuses que ça à filer. Voilà, c'est un projet qui est sympa. Ça me tente bien, alors est-ce que je le ferai je le ferai peut-être pas enfin je veux dire je le ferai peut-être pas habituellement, ça va pas peut-être faire partie de mon métier, mais j'avais envie de tester ça. En tout cas si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis vraiment comment dire, je fais ça vraiment sans le savoir. Comme je l'ai fait un peu en secret, je sais pas du tout si les gens. Enfin, si vous ça vous intéresse, si au contraire ça vous passe un peu. Voilà. Dites-moi, laissez-moi des commentaires et dites-moi si. Je sais pas si j'ai bien fait, si c'est une idée folle, si. Voilà, moi en tout cas, j'aime bien, ça me fait plaisir. Et je les trouve très belles, je ferai un peu dans toutes les couleurs, c'est pas des couleurs que je vais répéter, c'est pas forcément des fibres que si je fais un deuxième disons lot, je vais teindre sur d'autres matières pour pouvoir changer. Donc c'est vraiment des irré enfin c'est one of a kind, comme disent les anglophones, c'est vous en trouverez plus la même ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment cet esprit-là que j'avais envie de le faire. Parce que comme je vous dis, je suis pas teinturière, je sais pas reproduire des couleurs. En plus, dans la fibre, c'est très
difficile parce que c'est pas selon comment on positionne la couleur, la fibre va l'absorber. Donc du coup on n'aura pas forcément les mêmes. Enfin si on peut avoir les mêmes coloris, mais pas dans la même dans le même ordre. Bref, c'est pour moi c'est des expériences. Si ça plaît bien, et si sinon bah c'est pas grave, je les garderai pour moi. Et puis voilà. Donc voilà un peu les nouveautés qui se cachent derrière, derrière mon cerveau et mes organisations lanaesques. Et en tout cas, c'est bien fun. Ce week-end, je vais en profiter pour en faire un peu plus. Le jeudi 1er, enfin novembre, la Toussaint, j'ai toute une journée, donc je ferai aussi de la teinture. Et comme ça sortira au plus vite. Au plus vite, je peux pas vous dire quand encore, parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai fini tout ce que j'avais prévu. Ça met du temps, puis ça sèche, ça met beaucoup de temps à sécher la fibre, mais beaucoup, ça met au moins 2 jours entiers. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant, hein, il n'y a pas de souci. Bon, passons au projet fini par des tricoteuses de la boutique. Je vais aller dans l'ordre de réception. J'ai reçu de la part d'Isabelle des chaussettes tricotées par elle dans de la laine de Great Underfibers. C'est le coloris, je dis pas de bêtises, Lemongrass dans la Sucks Premium Chalky, non, Socks Premium Cheese Pass, c'est les speckles chez elle. Et c'est un patron de Tisser un Coquet de Chloé. Je me souviens plus du tout du nom, je suis nulle pour les noms des projets, vous le savez bien. Je vous le mettrai sur les notes, mais si vous allez la page Ravelry de Chloé, de Tisser un Coquet, vous les voyez assez rapidement. Alors, il y a un motif de dentelle qui se voit très peu. Et c'était, comme je disais à Isabelle, c'est fait exprès. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à la boutique, qui ne sont pas habituées aux laines teintes à la main, aux speckles et autres. Et en fait, je voulais une paire de chaussettes, quelque chose qui est de la dentelle, avec un speckle très chargé pour leur montrer, bah tenez, là vous avez du speckle en jersey, voici le résultat. Là vous avez un motif dentelle, un motif torsade, un motif un peu plus travailler et vous voyez que ça se voit un peu moins. Donc comme ça, je peux être un peu. S'il y a des personnes qui me demandent, oui, mais ça rend comment ça rend au tricot et comme ça dépend vraiment de ce qu'on fait avec. Pour un pull, ça va faire différent que pour une chaussette. Mais bon, là au moins, ça donne une idée plus approximative de ce que donnent les laines à speckle un peu plus rechargées. Et comme ça, bon, bah, on est sûr que si on fait de la dentelle, et ben, on va être sûr que ça se va voir un peu moins. Que si on fait juste du point mousse ou juste du jersey, où là le speckle va mieux ressortir et c'est pas la peine de se casser la tête à faire peut-être des choses plus compliquées alors que la laine se suffit par elle-même, d'elle-même, pardon, et voilà. Donc c'était un peu le but en tricotant cette paire. Après, c'est une très jolie paire, hein, même malgré le fait qu'on les voit moins que sur une laine unie ou un peu plus unie, mais bon, c'était vraiment pour pouvoir montrer aux gens. Aux tricoteuses que l'effet que ça donne, le fait que ça fait. Voilà, mais elles sont très très chouettes et du coup elles sont là avec les laines à speckle pour que les gens puissent les voir. Donc si jamais vous les voyez et que vous dites mais Alain, elle a fait de la dentelle dans des chaussettes à speckle, pourquoi elle a fait ça? En fait non, c'est bien fait exprès pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. En deuxième projet, donc je remercie bien Isabelle aussi que toutes les simples enfin il y a là c'est Marie, le prochain c'est Lucie, donc je vous remercie énormément. Vous avez toutes normalement reçu un petit cadeau de ma part, enfin des cadeaux de ma part pour vous remercier. Enfin c'était l'échange, hein, vous me tricotez un truc et moi je vous fais un beau cadeau de la boutique, donc c'était un peu comme ça et je vous remercie énormément. Vous le savez bien, je vous l'ai déjà dit. C'est la journée des ponchos. Marie a fait du coup le poncho Balmy Breeze du catalogue Wool Addicts dans la laine recommandée qui est la laine R. Si vous avez le catalogue ou que vous allez le voir sur le net, il est tricoté en marron le poncho et moi j'ai décidé de le faire dans ce beau moutarde, moutarde jaune soleil, très très beau parce que je trouve que il est plus joli que le beige. Enfin, quand j'ai vu cette couleur en fait j'ai adoré.
Et je me suis dit, non, le poncho, il va être dans cette couleur. Il est vraiment moelleux. Je crois que c'est des côtes anglaises. Hein. Ouais, des fausses côtes anglaises ou des côtes anglaises. Il est hyper simple à faire. Vous faites deux carrés. Vous faites deux coutures. Vous laissez une ouverture sur la pointe pour qu'il soit porté comme ça. Et vous avez un poncho. Donc c'est vraiment tout simple à faire. Tricot zéro cerveau. La laine, c'est la même que celle de Bon Weekender, donc elle est super douce, super agréable et légère, parce que du coup ça fait un poncho qui est quand même grand, très léger. Il recommande, il me semble, 10 pelotes, mais on en a fait déjà deux à la boutique, enfin pas pour moi, mais une cliente, et avec 9 pelotes, normalement vous avez ce qu'il faut. Donc même s'ils recommandent 10, je pense, enfin les deux personnes qui l'ont fait avec 9, elles ont eu suffisamment. Donc avec 9 pelotes de R, vous avez un super poncho bien douillet, bien. J'ai pas encore porté, mais ça ne serait pas tardé. Et voilà. Et les pompons, bah, vous les faites si vous voulez les faire. Et si vous voulez pas les faire, bah, vous les faites pas. Là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pompons. Enfin, c'est pas des pompons, c'est ce qu'en anglais ils appellent des tassels. Donc voilà. Voilà. Trop cool. Oh. Que c'est douillet. Et du coup, Julie. Non. J'ai tellement l'habitude de Julie. Lucie, dit qu'il me l'a laissé à la boutique hier. Elle est venue me le déposer et faire ses petits achats de laine. Et voilà, c'est un châle de Orlan. Il est trop top. Il est vraiment super. C'est une laine qui est mérino soie. Un peu chiné comme ça, et c'est la Angelina. Alors là, je l'ai pas en gris, mais bon, vous avez des super couleurs. Vous avez le rouge, le bleu, enfin, là, je sais pas si vous les voyez, hein. Jaune, bleu, noir, gris, marron, vert. Ils ont toute une gamme. C'est de la soie, tussa et du mérinos. C'est une laine parfaite pour des accessoires, parce que là, ce halo avec le mérinos, super agréable. Elle est super douce. Lucie m'a dit qu'elle est super agréable à travailler et que voilà, qu'elle en était ravie d'avoir testé cette qualité, que voilà, elle était vraiment très contente de l'expérience. Elle tricote tout comme Isabelle et Marie super bien. Franchement, il est très bien fini. Je vais le porter comme ça, vous pouvez voir un peu ce que ça donne porter, même si avec mon poncho, je pense pas que. Voilà. Mais c'est exactement la forme de châle que j'aime. Parce que c'est une forme circulaire qui, du coup, vous protège les épaules. Enfin, voilà. Donc, il est vraiment super. C'est un très beau patron que j'avais vu passer dehors là, que j'avais pas eu le temps de faire. Et du coup, quand j'ai vu cette laine, et que il me semble que le patron est tricoté en sport, et que cette laine-là est bien sport aussi, je me suis dit, ben, ils sont faits pour. Avec 5 pelotes de Angelina, vous avez un super beau châle en mérino soie. Et voilà. Un grand merci, Lucie. J'espère que ton petit cadeau te fera plaisir. Et voilà. Voilà. C'est super. Donc là, je l'ai mis là pour que tout le monde puisse l'admirer, tout comme les autres projets. Maintenant, il me reste, je crois que c'est juste un paquet à recevoir des simples miniteuses. Et ce sera tout pour. On refera un appel en février-mars pour le printemps, enfin même février pour le printemps-été. Puis voilà, je pense que c'était une chouette expérience. Tout le monde a été content de participer. J'ai pas été déçue par les personnes qui ont participé. C'est des très grandes tricoteuses, finition parfaite. Enfin, j'ai pas vraiment eu l'impression de mettre ma laine, dévaloriser ma laine, enfin les laines que j'ai en boutique et tout ça. Donc, c'est avec grand plaisir que je referai cette expérience, et c'était top. Et puis moi, ça me permet d'avoir de belles pièces à la boutique pour donner envie aux personnes qui sont moins Ravelry, Instagram et autres. Donc c'est chouette, puis ça met en valeur aussi des comment dire, des créateurs indépendants. Donc top top, ouais, c'est chouette. On va presque finir le podcast. Je vais juste vous dire qu'il y a eu des arrivages à l'ANAE.
notamment un très gros arrivage de Malabrigo. Vous avez plein de coloris de Malabrigo Sock, de la Arroyo et de la Rios. Je vais pas tout vous montrer parce qu'elles sont toutes là-bas et ça fait un arc-en-ciel, c'est tellement c'est beau. J'ai reçu de la Mondim en uni, je vais vous faire que quelques aperçus. Donc en uni dans de nouveaux coloris, là vous avez par exemple le violet, le bleu et le fuchsia. Mais j'ai reçu aussi du moutarde, du bleu ciel. J'ai pas eu encore le temps de le mettre en ligne parce que malheureusement ma boutique en ligne avait été en actualisation toute une journée, la même journée où j'ai reçu ça. Donc du coup ça m'a mis un peu de retard sur les arrivages, mais bon, Malabrigo est en ligne, il faut juste que je mette Retrosaria en ligne parce que j'ai reçu aussi de la Brusca, je vais vous montrer, dans des coloris que je n'avais pas eu la dernière fois, par exemple ceux-là, ça va aller j'espère entre aujourd'hui et mardi en ligne. Donc là vous avez du rouge, celle-ci qui est chinée, comme c'est des two-ply, des retors à deux bras, il y a un brin marron et un brin beige. Et celle-ci, c'est un violet parme chiné avec du marron. Très très chouette. Donc, et il y a encore deux autres couleurs. Donc tout ça, ça va... Oups. Bon, elle est partie. Tout ça, ça va aller en ligne assez rapidement. Il faut que je prenne les photos, que j'aille tout le processus. Donc bon, c'est en boutique physique, mais c'est pas encore en ligne. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas... Pardon, à m'envoyer un petit mail. Voilà, si vous voyez que j'ai pas eu le temps de le faire. D'ici mercredi prochain. Et quoi d'autre? Bah voilà, ça c'est ce qui reste à mettre en ligne. La semaine prochaine, arrivage de Hedgehog Fibers avec de nouveaux coloris. Et j'ai envie de c'est tout. J'ai eu encore du réassort de Lopi. On va avoir des réassorts de BC Garn vers mi-novembre avec l'arrivée du livre de la version papier du livre de Alice Hammer. Il y a des Laine Magazine 6. Enfin 4, 5, 6 qui sont les seuls qui sont réédités. Le 1, 2, 3, ils ne vont plus être réédités pour le moment. Avant un moment où en tout cas pas pour ou plus jamais, je sais pas, en tout cas ils m'ont dit qu'ils vont pas les rééditer. Donc bah là j'ai le 4, le 5 et le 6. Et arrivage de Moike Yarns blanche et crue. Voilà. Moike Yarns est cru en format de 60 grammes. Vous savez que selon les productions, c'est des 50, des 60 ou même plus. Donc il y a un grand réassort de ça et j'ai préparé les kits de l'Albini en écru. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité d'acheter les kits Albini en écru, je les ai mis en ligne. Je crois que je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Non, je vous ai pas tout dit. Parce que vous allez voir aussi, et vous avez peut-être déjà eu quelques échos, concernant le filage, vous savez que j'ai un compte avec mon amie Mélissa, Mélissa Swad sur Instagram. On a un compte dédié au filage uniquement où on partage les fils qu'on fait, nos expériences et tout ça, qui s'appelle Woolen and Worsted, et vous pouvez aller voir d'ailleurs si vous voulez. Et on a un petit projet, et en fait c'est un petit projet de tuto filage. Parce qu'on a trouvé, enfin nous quand on a commencé à filer, on a trouvé que les informations surtout en français étaient très très disperses. Enfin pour trouver de l'info il faut vraiment aller creuser ou il faut vraiment comprendre l'anglais pour pouvoir aller plus loin sur certains aspects. En plus le filage c'est un peu comme c'est pas que c'est secret mais il faut vraiment se mettre dans le monde du filage pour avoir accès à certaines informations et tout. Donc on a trouvé que c'était dommage qu'il n'y ait pas quelque chose qui, à part des livres traduits, mais quelque chose qui soit plus vivant et qui vous permette d'apprendre avec une certaine ligne, enfin, ou à un endroit où vous pouvez trouver un peu plus des informations, un regroupement d'informations sur filage.
C'est pas par autant, enfin, c'est pas dit qu'on va tout dire sur le filage, car c'est impossible. Enfin, il y a tellement d'informations que c'est. Ou ce serait que à long terme qu'on toucherait vraiment à beaucoup de sujets, mais du coup, on va ouvrir une. Enfin, on a créé une chaîne YouTube où on va commencer à partir de la semaine prochaine à publier des petites. Ça va être des tutos podcast. Enfin, c'est. Vous allez voir un peu le format où on va vous raconter un peu nos débuts en filage. Voilà, on a fait une vidéo de présentation de la chaîne. Et après, on va commencer par les débuts, donc débuter au filage en fuseau, débuter au filage au rouet, le matériel dont vous avez besoin. Après, pour approfondir, bah, le matériel dont vous avez besoin pour approfondir, les types de fibres, les types de préparation de fibres, les types de filage, le filage fantaisie. Voilà, enfin, on va essayer de toucher un peu à tout. On est loin d'être des expertes, mais je pense que ça va nous faire aussi apprendre beaucoup de choses en le faisant. On est vraiment très passionnés, on a vraiment très envie de le faire, enfin de le faire, depuis maintenant enfin avant l'été ou pendant l'été, on s'est dit qu'on allait le faire, puis finalement, on a des vies assez intenses toutes les deux, donc il faut trouver les moments pour pouvoir se retrouver et passer au moins 1 heure et demie, 2 heures pour filmer, préparer, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va pas dire et tout. Puis là, ça va demander de la préparation parce que forcément, de la fibre, comment on va faire ci, comment faire ça. Donc c'est assez chouette, c'est un chouette projet. On espère que ça vous intéressera. Si jamais vous voulez lancer au moins avec un fuseau et un bout de fibre, vous pourrez au moins être initié grâce à nos vidéos. Au moins, c'est ce qu'on espère. Et voilà, donc je publierai tout ça sur mon Instagram aussi. Enfin, quand on lancera la première vidéo, comme ça, si jamais ça vous tente d'aller voir et d'aller voir ma tête dans une autre chaîne, vous pouvez. Voilà. Je pense que là, j'ai vraiment tout dit. Et si j'ai oublié, bah, ça devrait pas être si important que ça. Voilà. J'espère que vous allez avoir un bon week-end malgré la pluie. Je vous souhaite de belles semaines et on se voit. Du coup, ce sera. Ouais, on se verra. Je sais plus si j'ai programmé après le festival de Barcelone ou un peu avant et le podcast après. Bref, on se verra dans 2 semaines et salut, merci beaucoup.